L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invité dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. On m'a rapporté au nom de Rabbi Nachman une parabole. Il a raconté à propos de l'organisation du rassemblement de ses disciples. Il existe un oiseau qui pond un très grand nombre d'œufs. Il en pond une telle quantité qu'il lui est impossible de les couver tous pour permettre aux oisillons d'éclore. Dieu béni soit-il, lui a donné l'instinct de disperser malicieusement quelques-uns de ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. Puis d'autres œufs dans un autre nid, et ainsi de suite. Les autres oiseaux ignorent que les œufs ne sont pas les leurs, et les couvent jusqu'à la naissance des petits. Cet oiseau, quant à lui, garde quelques-uns de ses propres œufs qu'il couve jusqu'à leur éclosion. Ensuite, il s'envole avec eux, et se met à siffler. Lorsque ses oisillons nés dans les autres nids l'entendent, ils reconnaissent sa voix et sont aussitôt attirés par cet oiseau qui les a vraiment engendrés et retournent alors vers lui. La morale est aisément compréhensible pour celui qui saisit l'allusion à la grandeur du comportement de Rabbeinu de mémoire bénie à l'égard du monde.